là, on va traîner avec les Balaou, donc ceux qu'on a montés tout à l'heure là, juste avant. Donc je crois qu'on a peut-être 10 Balaou. Donc on verra ce que ça va donner. Donc là, pour cela, moi j'utilise un câble de traîne qui a une longueur définie avec du nylon qui finit par un émerillon et on va connecter à chaque fois les balaous directement dedans. Récupérer un sachet de balaou directement comme ça. Donc, je vais le clipser directement. Et voilà. Donc là, je vais faire une petite traîne côtière. Donc lui, je vais le balancer à l'eau pour commencer à libérer les câbles. Et voilà, donc là, j'ai ma filade. Ce qui me permet, au cas où si j'ai un gros poisson, j'ai encore de la côte derrière pour gérer le départ. Donc du coup, moi aujourd'hui, je choisis une traîne lente et avec une animation à la main. Donc là, nous allons attendre la touche. Comme mes balaou, ok, bien dans la gueule comme il faut. Donc parfois par rapport au câble, je ralentis, c'est pour que le câble puisse aller plus en profondeur pour aller chercher peut-être d'autres types de poissons comme la sorbe, je sais pas, la carangue et compagnie. Donc après je réaccélère, je laisse couler un tout petit peu par exemple, voilà, et après j'accélère juste un tout petit peu et là on a la touche en direct. On a la touche en direct. Il est gentiment. Hein. Bon. Petit bord, hein.